je vous propose un gâteau à la carotte et aux amandes. Donc pour le faire, il vous faut 60 g d'amandes, 2 œufs, un sachet de poudre de levure chimique. Il vous faut 2 carottes râpées, 80 g de sucre, 100 g de farine et 70 g de beurre fondu. On va commencer par mélanger les œufs avec le sucre. Quand vous avez mélangé votre sucre et vos œufs, vous allez mettre la farine et la levure chimique. Là, votre mélange farine, levure, œuf et sucre est bien homogène. Nous allons rajouter le beurre. Et voilà, le mélange de la pâte de base est prêt. Nous allons rajouter les carottes et les amandes. Mettez bien à préchauffer votre four à 180 degrés. Là, nous avons notre pâte qui est prête avec la pâte de base plus l'amande et les carottes râpées. Nous allons les mettre dans un moule à cake qu'on a beurré préalablement. Vous pouvez mettre aussi un petit papier sulfurisé au fond pour éviter que ça colle si vous avez peur. Là, je vais mettre la pâte dedans. Là, je vais enfourner pendant 35 minutes à 180 degrés. Si vous êtes qu'entre adultes, pour manger ce gâteau, vous pouvez rajouter un bouchon de rhum dedans. C'est très bon. Allez, à tout à l'heure. Et voilà mon gâteau à la carotte, prêt à être consommé. Je vais rajouter une petite boule de glace vanille avec. Ça va être délicieux. Bon appétit.